tous, on est au Contamine, là ça se passe plutôt bien sur ce beau soleil. On a une séance qui va se dérouler sur 2-3 heures de temps. Le but étant de bouger un peu les organismes, les jambes, pour pouvoir attaquer les prochaines Coupes du Monde en Autriche d'ici 10 jours, plus sereinement. Et puis avec cette période de fête, ça fait du bien un peu d'avoir les athlètes sous la main pour continuer à bosser avec les bestiaux. Et on en est où l'équipe de France aujourd'hui au classement là, on est où? Mais écoute, on a eu des bons résultats, on a fait 2 Coupes du Monde en Italie, on a une belle 4e place qui a été prise par Sylvain Miaillet. Bovolenta qui fait cette belle 7e place aussi. On en a, y en a un qui doit être 7e mondial actuellement, on en a après 2 étapes, donc chez les filles aussi on est pas mal placé. Maintenant je crois qu'on a un groupe qui demande qu'à monter en puissance encore. Et ça va faire. Pourquoi au compta alors? Ben, les comptas, ben, premièrement parce que moi j'ai une grande attache avec les Contamines par rapport à sa Coupe du Monde, et puis ça fait 10 ans qu'il joue bien le jeu du ski cross. Moi je viens en plus en voisin, je suis à Megève. On a eu des opportunités pour avoir une piste. Ils ont été plus que top pour accueillir l'équipe de France. Donc je pense que c'est un petit retour des choses qu'on peut leur donner aussi, d'amener nos meilleurs athlètes français s'entraîner sur ces pistes. On fait venir un peu, il y a 2-3 touristes, ça donne un peu de spectacle, ça donne la vie un peu à la station. Et puis nous, ça nous permet de bosser. C'est super intéressant, je pense, pour tout le monde. Cherche la longueur. Avance sur tes pieds au lieu de monter en l'air. Tout ce qui est en l'air, on n'a rien à faire. Attention.